Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce soir? Très bien. Et vous, Thomas? Et Ruby? On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où? Bien là, on est à l'hôtel. Voilà, oui. On est à l'hôtel à Paris, tout à fait. On vient de quitter New Titeuf, oui. Avec qui on a réalisé une chasse aux Pokémon. Ouais, c'était vraiment trop bien. Méga bien. Ça vous a plu? Oui. Oui, trop bien. Ouais, c'était vraiment bien de le rencontrer. Il est très très sympa. Aussi sympa que dans ses vidéos. Oui. Hein. C'est vraiment le même. Ouais. Exactement le même. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une vidéo évolution. Et oui, sur demande de Néo, bien sûr, nous allons faire évoluer des Pokémon. Alors Néo, tu veux faire un petit état des lieux de tes Pokémon? Oui. Ah. On regarde un peu où tu en es? Ok. Allez, on regarde ça. Alors j'ai eu un Melofey à 700 PC. Mm-hmm. Ce qui est bien. J'ai aussi un Smogogo. Si ça faisait bon, il a pas un OPC, par contre c'est assez rare ce Smogogo. Mm-hmm. J'ai un Nidorina aussi, bon très peu de PC. Un Rhinocorn, c'est très bien aussi. Un Machoc, encore un Machoc. Et dans la voiture j'ai attrapé un super Ronflex à 2215 PC. Vraiment gros machin. Un mastodonte. Regardez dans nos plus forts les copains et les copines. C'est notre deuxième plus fort. Waouh, c'était vraiment une très très belle prise. Oui, très très belle prise. Alors maintenant on est au niveau 27. Ouais, depuis peu de temps, hein, depuis ce matin précisément. Ce matin. Le niveau 27, c'est vrai. Et puis à Halloween on n'a pas trop chassé parce qu'on était occupé dans les parcs. Dans les parcs d'attractions, oui, c'est vrai. Ça. Donc on a bien eu la mise à jour. Oui. Avec les nouveaux, enfin c'était pas des nouveaux Pokémon, mais des Pokémon plus faciles à attraper que d'habitude. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de chasse aux Pokémon. On avait beaucoup beaucoup d'autres choses quand même à faire dans les parcs, le maquillage, tout ça, les attractions. Alors là on est à 8877 points d'expérience. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour avoir plus d'XP? On va mettre un 9 chances. Voilà le 9 voilà. Chances. Hop là. Oui. Et maintenant, on fait évoluer les Pokémon. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec Salamèche. Ça y est, on peut faire évoluer Salamèche. Oui, un Reptancell. Vas-y, Swan. Swan, il attend ce moment depuis longtemps. Il s'est rien passé. Normal, il faut attendre. Ça charge. Oh. Hmm. Tu vois là ça... Ah oui. Et tu vois, il est en fait c'est un Reptancell. T'entends le cri? Oui, ah, c'est pas le cri de Salamèche? Non. Il y a un petit bug là. Ah, quoi? Il est là? Ah mince. Oula, ça a bien bugué même. Ah mince. Bon bah on l'a obtenu, mais on n'a pas eu l'évolution. Oui. Zut. On n'a pas eu le... inscrit dans le Pokédex et tout ça. Oh là là, bon bah désolé les copains et les copines, oui. On a eu un super bug là. Bon par contre ça fait un joli Reptincelle avec un PC jolie. À 870. C'est bien. Donc c'est un nouveau Pokémon. Oui. Un nouveau. Waouh, ça y est, le Pokédex augmente, super. Bon bah on va voir si on peut faire évoluer les autres. Oh oui. Maintenant Pikachu. Ça y est, on fait évoluer Pikachu. Ah ça y est. Ah, ça marche par contre. Une véritable évolution. Il est trop marrant. Oui. Wow, Raichu. Oh. Et voilà. Ouais. Wow, 1132 quand même. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. C'est bien déjà. Ouais, moi j'aime bien. C'est bien comme ça. Ah. 1132 PC. Et voilà Raichu. Et voilà. On est content, hein? Ouais, très content. Déjà Pikachu, on était super content quand on l'a attrapé, oui. Mais là... Ouais. Bon, ouais, super. Très bien. Alors, est-ce qu'on en a d'autres à faire évoluer? Oui, d'autres. Alors maintenant, on a qui? Ah oui, Melofey. Alors, vas-y. Alors, on a déjà Melodelph, mais on a vraiment un Melofey très très fort. Ah, donc tu penses faire un Melodelph plus fort? Oui. On va voir si c'est possible. Et
voilà, Mélodelphe. À 1665. Waouh, il est beau celui-là. Ouais, très très bien. Eh ben super. Donc celui-là on l'avait déjà dans le Pokédex, oui, mais par déjà. Contre il est plus puissant. Très bien. Ouais, bien plus puissant. Enfin, il est plus fort que notre ancien. Ah, maintenant Ferro-Singe. Vas-y Swan. C'est pareil, on l'attend depuis un moment celui-là. Oui. Hein. Bah c'est un singe. Ouais. En Colossinge. Ah, nouveau ici. Ouais. Il a l'air très agressif. Oui, quand même. Hein. 1061, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Un joli Colossinge. Ouais. Allez, un de plus. Un plus. Ah, maintenant, Boustiflore. Ah, Boustiflore, c'était déjà l'évolution de Chétiflore, c'est ça? C'est oui. L'évolution de Chétiflore. Et là... Ça va être Ampiflore. J'ai peur. Et encore un nouveau. Ouais. 1494, c'est bien. Ah oui, il est beau quand même. Ouais, ça va. Maintenant, alors on a déjà un Galopa, mais il a que 167 PC. Alors, vas-y. C'est pas beaucoup du tout. Celui-là, il est beau, il est ouais. Fort, hein, 1004. Ah, vas-y. Allez, on fait évoluer. Normalement, on doit avoir un bon Galopa. Donc je suis un petit peu déçue, mais c'est pas mal quand même. Ah, c'est pas aussi bien que ce que tu espérais? Ben, je pensais qu'il allait avoir plus quand même. C'est déjà pas mal. Oui, hein. C'est déjà bien. Alors, maintenant, Spectrum. On l'a pas déjà fait évoluer, lui? Si, alors on a déjà Ectoplasma, mais on aimerait un Ectoplasma plus fort. D'accord. C'est pas mal quand même. Ah oui, c'est bien. Oui, ça va. Allez, un bon Ectoplasma. Et Osselet. Oui, maintenant Osselet en ossature. Alors, on a déjà ossature, mais il a que 800 PC. Donc, les Osselets et les ossatures, on en a eu beaucoup pendant la oui. Période d'Halloween, justement. C'est comme avec les Fantomius, les Spectrum et l'Ectoplasma. Oui, c'est vrai. Et voilà, 1061, c'est bien? Ah oui, c'est bien. Ouais. Et voilà. Bah c'est bon, on a tout. Alors, bien sûr, là on vous a mis en vidéo, les copains et les copines, les évolutions des Pokémon un peu rares. Hein, oui. Soit ceux qu'on n'avait jamais fait évoluer, soit ceux pour lesquels on souhaitait une évolution plus puissante. Hein. Oui. Donc là, on va profiter de l'œuf chance, je pense quand même, pour faire d'autres évolutions, mais plus simples. Oui. Donc on va pas vous les mettre en vidéo, les copains et les copines. On vous reprend simplement à la fin, une fois qu'on a tout fait évoluer, pour voir combien d'XP on a récupéré. Ok. Ça vous va comme ça? Ça me va. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, on est à 57 927 points d'expérience. Waouh. C'est beaucoup, hein? Ouais, là, on a fait hein, une super... on a bien avancé. Super progression, hein? Bon, bah super. Ouais, bah, très très bien. Et le Pokédex, alors, on est à combien de Pokémon maintenant? Maintenant, on est à 133 Pokémon. Ouais, piou, comme je dis. Ça prend vraiment forme, hein. Ouais. Et voilà, tous les nouveaux Pokémon qu'on a eu. C'est joli. Ouais. Ça se complète. On est presque au bout, hein. Ouais, presque au bout, hein. Je sais pas si on va réussir à le finir, mais on est en bonne voie quand même, hein. Oui, super bonne voie, hein. Ça y est, c'est fini pour cette vidéo évolution? C'est fini. Oui. Vous étiez content de faire évoluer vos Pokémon? Très très oui. Content. Quel est le Pokémon, le nouveau Pokémon bien sûr, que vous préférez? Raichu. Salamèche. On l'est pas déjà Salamèche? Oui, on l'a déjà. Ah, c'est l'autre, comment il s'appelle l'évolution Reptincelle. Ah, c'est celui-là Swan? Oui. Ah, Reptincelle pour Swan, d'accord.
les gobelins et les gobelins, quel est le nouveau Pokémon que vous avez préféré? Dites-nous dans les commentaires. Pensez au pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. À bientôt les copains et les copines, peut-être pour d'autres évolutions de Pokémon. Bye bye tout le monde. Bye bye. Un jour vous serez